what is it that you do? My life was great till you added colors. Like the moon needs the sun, we don't care about the others. You set my world. J'espère que vous allez bien, vous êtes en pleine forme. On est lundi aujourd'hui. Vous venez de voir passer Greg parce que pour nous, c'est encore un petit peu le week-end. Greg reprend mercredi. Il y a qu'Angèle qui a repris le chemin de l'école ce matin. Le pauvre, il était tout seul. Il commence à 8h en plus. Donc, il était tout seul. On était là, hein, puisqu'on est réveillé de bonne heure. Greg l'a conduit au lycée et tout. Et voilà, c'était le seul à reprendre le chemin du travail, entre guillemets. Après un week-end, un long week-end. quoi de prévu aujourd'hui? J'ai plein de choses à faire. En fait, comme le week-end a été un petit peu chamboulé par rapport à l'habitude, il y a plein de trucs d'habitude que je fais le dimanche, comme le frigo, planifier ma semaine, ma liste de courses. Voilà, il y a plein de trucs comme ça que je fais d'habitude qui sont déjà faits. Là, il n'y a rien qui a été fait, donc on va essayer de rattraper le retard, entre guillemets. Là, je vais faire ma liste de courses. Ce qu'on a fait ce matin, c'est que on a remis la maison en ordre. J'ai fait mon sport, etc., etc. Mais voilà, on n'a pas... Du coup, il est tard, là. Il est 10h30 presque. Faut que je vois aussi pour le repas de ce midi aussi, parce que j'ai complètement zappé de le mettre sur ma liste quand j'ai été faire les courses pour dimanche, quoi, en fait. J'avais dit, en même temps, je prendrais ça, et ça m'est sorti de la tête. Donc, du coup, j'avais prévu du jambon grillé. Faut que je vois. Soit on va jusqu'à Lidl en chercher, ou soit je vais faire autre chose. En plus, Kim vient tout à l'heure. Enfin, elle devrait arriver, là, d'ici quelques minutes. Elle vient passer la journée à la maison. Alors on ne sait pas si on fait les courses aujourd'hui ou si on les fait demain, mais il faut que je vois avec mon planning. J'ai une réunion demain, je pense, et au collège. Donc voilà, on va essayer de planifier ça. Donc là déjà, je vais faire ma liste de courses. Ensuite, il faut que je fasse mon frigo. Ensuite, il faut que je finisse mon blessing. Il me reste juste la fontaine des animaux à faire. Et puis voir pour les repas, le repas de ce midi. Et il faut que je fasse ma bolo aussi pour ce soir. J'avais prévu de la bolognaise. On a encore une fois un temps pourri aujourd'hui. Il fait que pleuvoir, il fait gris, il fait du vent. On a l'impression d'être en plein mois d'octobre, enfin plus même mois novembre. Mais bon, on va avoir ce temps-là tout le mois de mai, enfin à ce qui paraît. Alors j'espère que il nous fait endurer ce temps-là, mais qu'on va avoir un sacré été, hein, avec des soleils, avec du soleil, des belles températures et tout et tout, hein, qui fait le plein de flotte là maintenant et qui nous laisse tranquille en plus après, pendant les mois d'été, hein. Si ça pourrait être comme ça, hein. Allez, ma liste de courses. Midi et demi. Il y a plein de trucs qui se sont passés là en 2 heures. J'étais appelée par le CPE de Stacy, cas contact. Ça y est, ça commence, on est content. En plus, ce qui nous... c'est qu'on a repris un peu une vie un peu normale. On a reçu du monde ce week-end et tout. Donc, après, elle est cas contact de mercredi dernier. Donc, ça fait déjà jeudi, vendredi, samedi, dimanche. On est lundi, ça fait déjà 5 jours. Donc, je pense qu'elle aurait créé quelques symptômes là, ou nous. Enfin, un nous, si ça aurait été positif. C'est un gamin avec qui elle... Bon, voilà, c'est le même groupe, mais elle n'est pas forcément en contact avec lui. C'est pas quelqu'un qu'elle côtoie. Voilà, c'est pas un de ses amis proches. Donc, du coup, on va aller faire un test. Alors, il nous demande de faire un test antigénique, mais ça, c'est plus pour nous, pour être sûr qu'elle l'a pas là à l'instant clé. Donc, si elle l'a pas, nous, du coup, on n'est pas considéré comme cas contact. Donc, elle va aller faire un test. Et puis, elle doit refaire un test PCR 72 heures, enfin, de moins de 72 heures, pour pouvoir retourner en cours mercredi prochain. Donc, en fait, elle est en contact mercredi dernier. Logiquement, enfin, je pense que c'est 10 jours, elle aurait dû reprendre à la fin de la semaine, mais avec cette histoire de demi-cours, de demi-groupe et tout, et ben, elle reprendra seulement mercredi prochain. Ce qui m'embête le plus, c'est que elle qui voulait pas passer par la case test, et ben, elle va devoir y passer, elle va devoir en faire 2. Et ce qui m'embête au plus aussi, c'est qu'avec sa colopathie et tout, je sais que ça va l'engendrer du stress et que voilà. Donc ça me... J'en ai marre, franchement, vivement que... En fait, j'ai l'impression, vous voyez, là, on avait repris un petit peu une vie à peu près normale et qu'on est rattrapé par cette fichue maladie à chaque fois qu'on se dit, ouf, le bout du tunnel est là, on y est rattrapé. Hein? Mais bon. Hein? On va... Enfin...
Je suis pratiquement persuadée qu'elle l'a pas, hein, mais voilà. Oh là là. Bah ouais, Tati qui voulait rester, comme elle dit, vierginée. Oh là là. Bah, du coup, elle va aller faire son test. Et puis, mais comme je vous dis, je suis pratiquement sûre. Parce que là, à l'instant... Parce qu'en plus, c'est l'antigénique, si je dis pas de bêtises. En fait, c'est pour savoir si à l'instant clé, là, maintenant, vous l'avez. Donc, comme ça fait déjà 5 jours qu'elle était en contact, logiquement, si là, elle est négative, dans une semaine, il sera négatif. Parce que ça fait déjà 5 jours qu'on fait. Donc, voilà. Mais bon, comme quoi que... Elle n'aura pas eu beaucoup cours depuis la reprise là. On a été déconfinés, mais à chaque fois avec entre les ponts, les ça et puis voilà, les jours où elle n'a pas eu cours parce que il y avait brevet blanc. Voilà, du coup, elle n'a pas eu beaucoup cours. Allez, du coup, Greg a été. Alors en fait, il devait aller rechercher Angel à 11h et. Angel n'a pas fini à 11h, il finit à midi. Donc du coup, moi, il est passé avec elle en même temps. Il a été chercher du jambon à griller et puis une poêlée de légumes. Et je suis en train de faire des pommes de terre sautées. Ouais. Ça ira très bien. Du coup, ce que je vais faire là maintenant... je vais faire mon frigo, je vais faire plein de trucs. J'ai rien fait. Oh là là. Hein, y a des jours où... Hein, on pense que tout va bien, que ça va aller, que vous prévoyez plein de trucs. Et en fait, moi, ça part en vrille et ça va pas. Donc, je préparais ma bolo pour ce soir. Heureusement, j'avais prévu des repas. À croire que je le sentais. Je dois avoir un truc qui me dit « Prévois-toi pas trop, une journée chargée. » Et puis... voilà. Donc là, j'étais bolo ce soir. Donc, je vais préparer ma bolo. Je vais la faire à la mijoteuse. Comme ça, elle va mijoter jusqu'à ce soir. Et ce soir, j'aurai plus qu'à faire les pâtes. Et du coup, moi, j'ai envoyé aussi un mail parce que j'avais réunion demain, mais je ne sais pas si je peux y aller, si je peux pas y aller. Le fait que Stacy, elle est confinée pendant 7 jours à la maison. Voilà. Est-ce que moi, je le suis aussi? Logiquement, non, parce que je suis cas contact de cas contact. Mais alors, tout ça, c'est aussi... Hein, je sais pas vous, hein, mais moi, je suis perdue dans toutes ces histoires et tout... que là Greg va continuer à aller au travail, enfin il va reprendre le travail mercredi, bon après ça fera une semaine donc logiquement il n'y aura pas de risque, mais puis bon on aura déjà le résultat du test antigénique, donc c'est surtout ça je pense qui va faire que en fonction du résultat du test antigénique mais du coup voilà, je sais pas si demain je dois y aller ou pas, donc c'est pareil, j'attends pour savoir si j'y vais ou si j'y vais pas. Allez, oh là là, on va manger. J'ai fait ma bolo. Elle va mijoter jusqu'à ce soir tranquillement. J'aurai plus qu'à faire cuire les pâtes. Donc, comme je vous ai dit, ce qu'on mange, poêlée de légumes avec des pommes de terre sautées et du jambon grillé. Tout simple. Et ça fera très très bien l'affaire. Et du coup, cet après-midi, je ne sais pas trop ce qu'on fera. J'ai l'impression d'être complètement toute chamboulée, d'être à l'ouest, d'avoir plein de trucs dans la tête et d'avoir rien fait. Et du coup de... Mais bon, faire mon frigo déjà après manger. Ça sera fait. J'ai eu des nouvelles pour ma réunion de demain. Donc du coup, ils préfèrent que j'y aille pas. Ce que je comprends tout à fait. Donc du coup... et puis dans la sainte, ça m'arrange. Parce que je sais pas vous, mais moi quand il y a un temps pourri comme ça, j'ai qu'une envie, c'est d'hiberner. Donc voilà, demain du coup je vais pas y aller, mais je vais pas hiberner puisque du coup ben, on va faire les courses demain après-midi. En fait j'ai téléphoné pour Stacy, alors le test, on doit faire un test antigénique et un test PCR. Le test PCR il doit se faire 72 heures à avance, le test antigénique c'est surtout pour nous rassurer comme ils nous ont dit. Donc du coup on a téléphoné à la pharmacie, Stacy connaît un petit peu le pharmacien, elle sera plus à l'aise. Donc vous savez que ça risque de jouer sous son milou. Donc du coup j'ai téléphoné à la pharmacie, on a loupé le coche, c'était de 10h à 11h ce matin. En fait il n'y a pas de rendez-vous mais il y a des horaires voilà, pour aller les faire. Et autrement c'est demain matin de 10h à 11h. Donc du coup on va y aller demain matin. Aujourd'hui on va rester tranquille à la maison. Par contre demain Angela court de 10h à midi et c'est son bac blanc. Donc je me vois mal, enfin voilà je suis embêtée parce que je me dis est-ce que je le fais louper dans le risque ou... Même si je sais que le risque... voilà, comme je vous ai dit, ça fait 5 jours qu'elle est en contact avec lui. Elle n'a aucun symptôme. Je sais qu'on peut être asymptomatique. Mais voilà, enfin, je pense que nous, on l'aurait... Il y en aurait...
À moins qu'on est vraiment très très chanceux et qu'on l'a tous et qu'on a tous aucun symptôme, mais voilà, on va juste le faire pour nous rassurer puisqu'on a reçu ce week-end, donc voilà, pour, mais je pense que le résultat, comme avec Angel, hein, ça sera négatif, mais on va le faire, et du coup on va rester tranquille aujourd'hui. Angel ira quand même en cours demain, puisque comme je vous ai dit, j'ai pas envie de le faire manquer pour rien, surtout qu'en ce moment, enfin, si vous avez des lycéens, vous devez comprendre, ils vont déjà pas beaucoup en cours. Là, il a la chance d'avoir un bac blanc qui a été organisé. Ça va déjà être compliqué pour eux au niveau du bac et tout, donc je pense que c'est important qu'il y aille, voilà, qu'il y ait un essai, en fait, qu'ils voient ce que c'est, quoi, en fait. Donc, il va y aller, comme je lui ai dit, tu mets bien ton masque et tout, tu mets bien du gel et tout. Puis en plus, en bac blanc, ils sont vraiment chacun sur leur table, avec des horaires, il n'y a pas de récré, il n'y a pas de truc, il y a cours de 10h à midi en plus, enfin il y a un truc de 10h à midi, donc voilà, on va le laisser aller. Et puis, puis au cas où, de toute façon on va y aller tout de suite à 10h pour faire le test à Ceci, au cas où je téléphonerai, on l'a un quart d'heure après le résultat, je téléphonerai puis j'irai tout de suite le récupérer, mais voilà. Donc du coup on va aller faire les courses demain après-midi, comme j'ai pas ma réunion, et puis là au moins on sera rassuré. Enfin, vraiment rassurée, parce que je suis pas très inquiète. Mais voilà. On va le faire pour, mais... Et puis, en fait, c'est surtout aussi, je vais vous dire hein, pourquoi. Parce que je n'allais pas forcément le faire hein, pour Stécie, j'allais pour éviter, en fait. Mais je me dis, au moins, elle aura déjà un premier... le fait de le faire une première fois avec... Enfin, Stécie, comme elle fait de la colopathie, en fait, donc dès qu'il y a un truc un peu un terrain stressant ou quoi, c'est compliqué, quoi, en fait. Ça part souvent, voilà. Donc, du coup, je me dis, le fait de faire un premier test à quelqu'un qu'elle connaît, dans un cadre qu'elle connaît, elle sera moins en appréhension pour le test PCR, qu'en fait, qu'elle devra faire, du coup, là, en laboratoire. Voilà. Donc, du coup, on va faire ce premier test pour qu'elle a déjà une première... un premier truc, qu'elle voit que ça fait pas mal, que... parce que c'est vrai qu'on entend tellement de trucs et tout aussi avec ces tests que voilà. Mais bon, de toute façon, celui le de la semaine prochaine, elle va être obligée de le faire pour pouvoir retourner en cours. Voilà, bon allez, bah du coup on va s'occuper aujourd'hui. On a un temps encore une fois bien pourri aujourd'hui, c'est démoralisant. Franchement, j'ai l'impression que ce week-end là, le week-end Greg a pris ses jours, il aurait mieux fait de les garder en fait, c'est parce qu'il n'y avait pas le choix. Mais enfin, entre tout ce qu'on a eu là ce week-end, on avait prévu plein de trucs, ça a été tout chamboulé, puisque voilà, et on a eu des petits, voilà, hein. Ça, le temps pourri, on a l'impression que voilà. Mais bon, c'est pas grave, on est ensemble. Allez, je vais aller finir de plier mon linge, j'étais en train de plier mon linge, puis on va trouver de quoi s'occuper. Je voulais en plus aller chercher je voulais aller à Stokomani pour aller chercher du déo et du shampoing. Je pense que je l'achèterai demain aux courses, je pense. On verra. Je voulais aller aussi au primeur du coup aujourd'hui. Mais pareil, j'irai demain. Ça va aller. Allez. Tant de brins. On a un rayon de soleil et puis d'un coup on se dit ah ça y est c'est bon c'est passé c'est fini, puis après on a une grosse averse, mais voilà, mais la grosse averse. Prononçons mal en patience. En fait je vous parle, en fait j'essaye, vous voyez, en vous parlant là maintenant, j'essaie de m'apaiser en fait. De me dire, allez, c'est pas grave Sandra, c'est qu'un temps, c'est rien, ça ira mieux demain. Voilà, un peu comme quand on se confie à un journal intime. Voilà, vous êtes mon journal intime, je vous parle de là maintenant, de ce que je ressens. Mais bon, chez moi ça va, ça dure pas trop. On y va, plier son linge, puis aller le ranger. To what used to be home, passing by those little towns I know so well, stopping for gas and then I'm behind the wheel again. Driving is like a spiritual cleanse, where every mile is a new beginning and every bend holds a new end. Eyes on the road, don't lose control, I'm
speeding fast to chase my soul. I'm driving to get away, running through emotions high and low, holding on or letting go. I'm fighting another day. Neon lights in the fast lane, life riding high, reaching for the sky. I had it all but lost and fell back down again. Spent my time playing the game where every single day was a losing battle and every drink was a dead end. Eyes on the goal, don't lose control. I'm living fast, I've lost my soul. I'm driving to get away, running through emotions high and low, holding on or letting go. I'm fighting another day. Et il atterrit sur la joue à Léo. On a passé une après-midi à... Enfin, moi, j'ai cuisiné. J'ai fait un tiramisu. J'ai fait des crêpes mille trous. Alors, logiquement, je me suis dit, ça va être pour les petits déjeuners de la semaine. Oh, quoique, ça va. Il en reste. Mais ils ont fait la razzia dessus. On a fait aussi les petites planches pour mettre sur les paniers. Je m'assomme moi-même, je me fouette. Pour mettre sur les paniers dans le cellier. Donc je m'en occuperai sûrement, peut-être pas demain, mais dans la semaine, je ferai les écritures. Faut que je note sur un papier avant tout ce que je vais mettre, enfin tout ce qu'il y a dedans, pour pouvoir faire les écritures avec le ma silhouette. Voilà. Oui, il a quand même bien diminué le paquet de la montagne de crêpes. C'est mon fils. Oui, donc je ferai ça sûrement cette semaine. Donc on a voilà, regardé un petit peu la télé, on s'est reposé un temps de caca, et avec des grosses averses, mais voilà. On n'a pas mis les pieds dehors. Bon allez, là il va être l'heure. Greg est parti promener Marley, puis une fois qu'il sera rentré, il va aller déposer Kim à sa maison. Voilà. Bon. Puis ce soir, le bolo qui est déjà fait, plus que à faire cuire les pâtes. On va passer à table. On va manger. Il y a Greg qui a l'impression de ne pas avoir de week-end. Il est fatigué. Hein? Allez, encore un jour et après il reprend. Bon, après, petite semaine. Mercredi, jeudi, vendredi et ensuite 3 jours. Bon alors du coup, ben bolo, spaghetti pour ce soir, comme je vous ai dit, j'ai fait, en fait, non, je sais même pas si je vous l'ai dit, j'ai fait une grosse plâtrée de bolo, donc en fait, il y a un gros, voilà, souvent c'est ce que je fais, comme ça je fais des barquettes et puis je ferai des lasagnes la semaine prochaine. Stécie, elle adore les lasagnes. Voilà, donc je ferai des lasagnes la semaine prochaine et c'est pratique parce que comme j'en fais plus, en fait les lasagnes c'est assez long à faire, mais c'est parce qu'il y a deux préparations à faire, il y a la bolo plus ça. Ben là le fait d'avoir déjà la bolo, mais en fait ça revient à un plat qui va super vite à faire, parce qu'après il n'y a plus que la béchamel, le montage à faire quoi, en fait, et puis la cuisson quoi, en fait. C'est vrai que quand on doit faire la bolo juste avant, on met deux fois plus de temps parce qu'il y a deux préparations. Voilà, donc c'est pour ça, souvent quand je fais ça, quand je fais du chili, mais je vous l'ai déjà dit hein, c'est le genre de plat où je fais en grosse quantité, comme ça j'en mets au congélateur et ça me fait durable pour des autres repas. Bon allez, encore une fois ce soir, accalmie, il pleut plus, soleil à peu près, j'ai l'impression qu'il nous le fait exprès là le temps,
Hein. À chaque fois, le soir, arrivé 8h, il fait un peu près beau. Juste pour nous narguer, là. Pour nous dire, tu vois, je t'ai bien embêté toute la journée, là, avec ma pluie. Voilà. C'est juste pour me dire, je peux aller au spa. C'est juste pour pouvoir aller au spa. Je sais pas si les températures, ils sont adéquates. T'aurais le courage d'y aller, là? Bah, ouais. Ah ouais, c'est vrai que l'eau, ouais, mais c'est la sortie, là, glagla. Mais bon, va falloir que on se décide, hein. Tu l'as mis, maintenant, va falloir se décider, hein. Bah, moi, je suis décidé. Toi, t'es décidé, t'es à fond, toi. Allez, si demain, vous nous voyez avec une grosse écharpe, et puis la goutte au nez, et envie de tousser tout le temps, et puis voilà, vous savez qu'on a été dans le spa. Quoi? C'est qu'on a le corona. C'est qu'on a le corona. Non, bah j'espère pas. Parce que là, c'est... Hein? Allez. Bisous. À demain. Alors encore une fois, ça va être un petit vlog aujourd'hui. Enfin, un petit vlog, une vingtaine de minutes. En ce moment, je... Voilà. Mais je suis désolée, mais mes journées, je peux pas les inventer. Elles sont... Je peux pas m'inventer une vie, en fait. En ce moment, c'est assez plat. Assez... Voilà. Hein? Allez, je vous fais des bisous. Et je vous dis du coup bah, à demain pour une nouvelle journée avec nous. Bye, bisous, à demain. My heart's desire. I just wanna love you, just wanna hold you, just wanna be with you till we grow old. Please tell me you'll stay or take me away. I want you for myself every day.